Hey bien, salut tout le monde, c'est Capitaine Kebab et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un tuto sur FIFA 18, comment bien savoir tirer les coups francs. Donc là nous sommes sur un coup franc à 22 mètres, excentré à droite. Donc on va le tirer avec Cristiano Ronaldo. Donc évidemment si vous le tirez avec un joueur qui a une moins bonne stat que Ronaldo, ce sera un petit peu plus difficile, mais le principe reste le même. Donc pendant cette vidéo vous allez voir le gameplay qui va défiler et vous allez adapter mes conseils en fonction de la vidéo. Donc si cette vidéo atteint les 100 likes, et ben je referai une partie 2 pour les coups francs à plus de 30 mètres, etc. Donc le premier, on va dire la première chose, vous devez vous placer. Donc avec le mur, donc, normalement il est composé de 4 joueurs, les 2 centraux, donc le poteau devrait être entre les 2 joueurs centraux, donc sur 4 joueurs, les 2 du centre, et il devrait avoir le poteau entre les 2. Dès que vous aurez fait ça, vous allez commencer votre tour. Donc pour tirer, ça va être le bouffon en force. Donc vous allez appuyer sur L1 pour les joueurs PS4 et LB il me semble pour les joueurs Xbox One ou Xbox tout simplement. Alors, comment vous allez faire pour tirer ce coup franc? Maintenant que vous êtes bien positionné et que vous savez où la balle va arriver, il reste la puissance à régler et on va dire la puissance tout simplement. Car là c'est pas enroulé, il est en force. Alors, pour cela, comment on va faire? Vous allez prendre le joystick de gauche, vous allez le mettre vers l'avant, appuyez sur L1 et tirez. Alors, pour tirer, il ne faut pas que ce soit trop puissant, sinon il risque de s'envoler le ballon. Et il ne faut pas non plus que ça ne soit pas assez puissant, parce que sinon le ballon va rester dans le mur et tout simplement ça va être défié. Alors, vous allez mettre 2 barres de puissance et normalement, ça devrait passer. Alors, souvent les gens sortent et là ça passe sous le mur et ça touche le poteau et ça rentre. Et si ça ne touche pas, vous devez la mettre un peu plus fort et ça passera en plus. Donc les gars, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve à la prochaine.